Things are right, you just know. There is something in your eyes that brings me home. Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. Cause if you ever need a friend, you know I'll be it. From tonight until we see. Et donc, bonsoir à tous, on se retrouve à tous ici en Allemagne pour cette finale d'Europa League. Donc entre l'équipe du FC Séville et l'équipe de l'Inter de Milan. Malheureusement, j'ai pas su mettre au Rheinsberg Stadion, mais c'est pas grave, car c'est plus ou moins le même stade, hein, c'est un stade allemand aussi, donc pas grave. Et la coupe est là, toute propre, toute belle, pour soit l'équipe de Séville, soit pour l'Inter. On va tout de suite regarder les coupes. Donc voilà l'hymne de l'Europa League, la composition de Julen Lopetegui avec Torres, De Jong, Ocampos, Jordan, Fernando, Banega, Gomez, Navas, Diego Carlos, Reguillon et Vaclik en 4-3-3, oui 4-3-3, offensif. Et pour la composition d'Antonio Conte qu'on va voir tout de suite aussi. Deux entraîneurs qui se veulent une revanche à chaque fois. Julen Lopetegui et Antonio Conte. On va tout de suite voir la composition de l'Inter. Voilà. Et donc c'est parti, la composition de l'Inter avec Martinez, Lukaku, Asamoah, Christian Eriksen, Brozovic, Barella, Candreva, Skriniar, De Vrij, Godin et Handanovic. En 3-5-2, et c'est exactement ça. Composition en diamant, comme disent les Anglais. Attention, c'est parti. Donc, pour cette fameuse finale de UEFA Europa League, en ce vendredi. L'équipe de l'Inter, qui a été exceptionnelle tout le long de cette Europa League. Car a fait les beaux scores, hein, déjà là, le dernier score là, contre le Shakhtar Donetsk. Attention, Christian Eriksen, la frappe, c'est pas fini. Oh, et le but pour Romelu Lukaku qui termine son action. Et ça fait donc 0-1, 0 pour Séville, 1 pour l'équipe de l'Inter de Milan. Ouais, exceptionnel, j'ai même pas le temps de dire mes mots. Qui a déjà un premier but, décidément. Oh, ça va vite, ça va très très vite dans cette UEFA Europa League. Ouais, je vous rappelle bien évidemment que l'Inter avait gagné 5-0 face au Shakhtar Donetsk. Donc forcément, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Après, il y a eu donc la qualification. Et donc on est reparti avec FC Séville, Ever Banega, le ballon pour Luc de Jong, le tacle sur Luc de Jong avec Fernando. Luc de Jong, le ballon perdu avec Mateo Brozovic pour Kwadwo Asamoah. Attention, Kwadwo Asamoah.
la touche. Et pour le FC Barcelone, nouvelle information. Donc Ronald Koeman, qui est du coup l'entraîneur, ça vous le savez très certainement, mais qui a donné du coup sa composition de la future saison qui se profile. Et pour retirer tout de suite toutes les informations, tous les contrats qu'il y a eu, le FC Barcelone préserve Lionel Messi jusqu'à fin de contrat. Ronald Koeman qui a donc décidé de garder Messi. Attention, c'est pas fini. Et qui a même dit que Messi était le pilier de l'équipe du FC Barcelone, qu'il allait changer un peu tous les joueurs, qu'il ne voyait pas d'avenir pour notamment Antoine Griezmann, Jordi Alba. Il y avait aussi Sergio Busquets qui finissait dans la liste des joueurs vendables. Antoine Griezmann qui a des difficultés avec le FC Barcelone, qui n'a pas joué beaucoup cette saison. Et forcément aussi, c'est pas un des joueurs qui peut être aux côtés de Messi, forcément. Donc tout reste à jouer encore pour l'international argentin et pour l'international français. Donc voilà. Le coup franc qui se profile, c'est récupéré avec Mateo Brozovic. On est reparti. Romelu Lukaku, qui peut donner une belle action de but. Lukaku, magnifique ballon pour Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, voilà encore un nom qui figure dans la composition de Ronald Koeman. Ainsi que Romy Van de Beek, le joueur néerlandais, qui du coup figure déjà dans la composition de l'équipe nationale des Pays-Bas. Et voilà la frappe, la reprise magnifique du FC Séville. Elle est exceptionnelle, ce centre, cette passe et puis cette frappe. Magnifique. Le centre magnifique est là. Luc de Jong. Justement, parlant de néerlandais, on voit là un néerlandais qui veut sa revanche lui aussi. C'est Luc de Jong. On est reparti pour donc la suite de cette rencontre, de cette finale d'Europa League, la Champions League se jouant ce samedi. Donc ce sera un très très gros match. Hein. Ce sera donc le Bayern face au Paris Saint-Germain, le PSG qui va donc affronter le fameux Bayern, la faucheuse. Ils ont fait très très mal, hein. Ça il faut le savoir, ils ont fait très très mal le FC Bayern de Munich en Champions League. Le PSG qui en tout cas a annoncé directement en interview qu'ils n'ont pas absolument pas peur du FC Bayern de Munich, même si bon il y a quelques doutes quand même à avoir. Mais attention, c'est pas fini. Lautaro Martinez, la frappe de Lautaro Martinez. On récupère avec Ocampos. Le joueur avec Ever Banega. Ocampos. Les deux joueurs argentins qui se font la passe. Peut-être l'arrêt, non, j'allais dire l'arrêt du gardien Samir Handanovic, mais pas du tout. Mais pas du tout. Allez, ça partit avec Samir Handanovic avec Godin. Godin qui décide de revenir en arrière sur Skriniar, avec De Vrij. Doraille sur Godin. Brozovic. Ah, c'est récupéré avec le FC Séville. Lucas Ocampos. Lucas Ocampos, la belle. Le bon retour là de Mian Skriniar. C'est reparti. Romelu Lukaku. Il y avait Lautaro Martinez qui a été bloqué. Je me demande s'il n'y a pas une petite faute là. Ah, le ballon pour Luc de Jong avec Jordan encore une fois. Jordan, le ballon récupéré. Attention, c'est pas fini. Oh, ce ballon qui était à deux doigts d'être frappé au goal. C'était Lucas Ocampos hein, qui a tenté sa frappe.
Et finalement, ce ballon qui se termine pour le gardien. Samir Handanovic avec Milan Skriniar. Ok, non, désolé, j'ai essayé de regarder un petit peu l'enregistrement pour voir s'il y avait un petit problème ou pas. Et ouais, effectivement, il y avait un petit problème. Ça n'enregistrait pas tellement. Attention, c'est pas fini. C'est pour oh, Nicolò Barella qui est hors jeu. Barella. Ballon très très long, le centre là du FC Séville, c'est récupéré n'empêche avec Fernando et Banega sur personne finalement, il y a Christian Eriksen, Lautaro Martinez avec Lukaku sur Nicolò Barella, Candreva, magnifique ça, Antonio Candreva, oh il y avait un tacle, Jordan. Et le ballon perdu avec Jordan toujours. L'arbitre qui ne bronche pas, qui laisse l'action jouer. C'est le tacle. Ce ballon qui sort en touche. Oh, le ballon récupéré pour l'Inter de Milan. L'Inter du Milan qui en profite un petit peu. Christian Eriksen. Christian Eriksen, c'est pourquoi de Wassamoa. Ouais, non, le ballon perdu avec du coup Lucas Ocampos. Il n'y a personne encore une fois. C'est pour Fernando. Fernando avec Urbanega, Ocampos. Jesús Navas. Oh, la tête exceptionnelle, récupération pour donc l'Inter de Milan, magnifique centre pour Lukaku qui continue son action, oh, le tacle sur Lukaku, l'arbitre ouais, qui ah non qui revient pas à la faute décidément, j'ai cru que ça revenait à la faute et pas du tout, ça joue, attention Luc de Jong, ça continue, il y avait Ever Banega, c'est finalement Samir Handanovic qui s'interpose. Christian Eriksen avec Kwadwo Asamoah. Oh, il y a le gardien qui récupère le ballon. Vaclik. Jordan. Torres, Luc De Jong, De Jong le ballon récupéré par Diego Godin, renvoyé sur Samir Handanovic, c'est reparti avec Kwadwo Asamoah, ouais ballon perdu, c'est du coup pour Lucas Ocampos, Ocampos, l'action peut-être récupérée, oui récupérée avec Kwadwo Asamoah, ouais le ballon perdu, c'est la touche pour l'Inter. Donc l'équipe de l'Inter, attention c'est pas fini, Antonio Candreva, ça continue avec Lukaku, ouais il y a une très très belle action qui peut se profiler, l'action et le but pour Romelu Lukaku, ça fait donc 1 à 2 hein, pour l'équipe de Séville, 2 pour l'équipe de l'Inter national, exceptionnel. Wow, lucarne basse, magnifique. Frappe à ras de terre, le ballon qui vole un petit peu. Et puis qui vient s'effondrer dans le goal de Vaclik. Ce qui fait donc 2-1.
Alors, Julian Lopetegui qui, je vous rappelle, a 53 ans, entraîneur du FC Séville. Fini l'action pour Jordan. Jordan. Jordan Fernando. Fernando pour Luc De Jong. De Jong. Ce ballon, c'est pas fini. Ça peut centrer. Finalement, oh, le ballon récupéré in extremis. Récupéré in extremis. Attention, ballon perdu. La frappe qui aurait pu finir au fond des filets. Van Lopetegui qu'on a vu ici à l'image. Aussi, petite information assez croustillante du FC Séville, c'est que ça fait depuis 85 ans qu'ils n'avaient pas fait 20 matchs sans perdre un seul match, le FC Séville. 3 minutes additionnelles. Donc, comme j'ai dit, 20 matchs d'affilée sans perdre pour le FC Séville. Donc, c'est un record battu qui n'était plus arrivé depuis 85 ans. Donc, c'est assez vieux quand même. Hein, c'est assez vieux. Et forcément, ça c'est exceptionnel. Et bon, c'est l'année à record. Hein. Cette année-ci, on le sait, le record du plus gros score d'Europe, le plus gros score au monde en coupe. Bref, de très très beaux scores qui ont été. De très très beaux records qui ont été battus. Attention, c'est pas fini. On a Mateo Brozovic. L'action qui peut se terminer au fond des filets. C'est pas fini, c'est pour Lukaku. Lukaku la frappe. Et encore un but, décidément. 1 à 3. 3 minutes additionnelles qu'il y avait. Et là, on est quasiment à plus de 3 minutes. On est même à 4 minutes. Exceptionnel. Ah, voilà, c'est fini. C'est fini. Première période qui donc s'achève. 1-3, 1 pour le FC Séville, 3 pour l'Inter de Milan. Ici en Allemagne, au Rhein Energy Park. Décidément, triplé de Romelu Lukaku exceptionnel dans cette rencontre. On va passer à la suite de cette rencontre. L'arbitre qui est Zacharias Krivicki. Donc voici l'arbitrage. Qui est donc l'arbitrage polonais. L'action qui est récupérée toujours pour l'équipe de l'Inter. Attention, Antonio Candreva qui a failli passer. J'ai cru qu'il allait failli passer. Non, pas du tout. Diego Carlos avec Fernando. Fernando qui arrive à trouver Torres. Jordan. Jordan avec Ever Banega. Luc De Jong. Le ballon toujours en faveur de l'équipe qui avait failli être en faveur de l'équipe du FC Séville, finalement récupéré avec du coup l'équipe de l'Inter qui continue sa chevauchée avec Antonio Candreva. Candreva, le ballon peut-être pour Lukaku. Oh, il est à deux d'être pour Lukaku ce ballon. C'est pour finalement pour Reguillon. Torres, Reguillon, Jordan. Oh, magnifique ballon, c'est pas fini. Kwadwo Asamoah, la frappe de Christian Eriksen,
C'est pas fini, c'est pour Jordan. Fernando. Ah, le ballon bien bloqué par la défense interiste. Juan José, Franco Vasquez, Juan Jordan qui est donc sorti. Et changement aussi pour l'Inter, deux changements. Kwadwo Asamoah qui est donc remplacé par Victor Moses. Victor Moses et le corner avec Ever Banega. C'est pas fini, oh, ce ballon au-dessus du goal. Ah, Lukaku qui occupe plus la défense du FC Séville, c'est pas fini. Attention le corner, récupéré, c'est pas fini. Oh, l'arrêt de Samir Handanovic. Ah, ballon perdu, encore une fois, décidément, ça enchaîne les pertes de balles. Le tac de la surface, peut-être l'arbitre qui ne bronche pas. Ouais, ça continue, Victor Moses. Oh, magnifique centre pour Romelu Lukaku. Le tac sur Lukaku. Vasquez. Lucas Ocampos. Ocampos. Oh, c'est pas fini. Oh, il y avait Diego Godin qui est venu bloquer un peu la défense. Et puis, oh, exceptionnel ce geste technique. Et l'arrêt est tout autant de Samir Handanovic. C'est du coup un nouveau corner. Il m'excusez. Le corner bloqué par cette défense interiste. Ça continue. Victor Moses avec Nicolo Barella. Le ballon qui n'est pas sorti. C'est récupéré. Ah non, ballon perdu finalement. Reguillon. Reguillon avec Gomez. Reguillon. Vasquez. Torres. Torres qui peut faire le centre. Ballon bloqué avec Nicolo Barella. On est reparti. Lautaro Martinez. Romelu Lukaku. Oh, Lukaku qui aurait pu faire mal là. Sur cette action. Bien bloqué là par Mateo Brozovic. Il a fait ce qu'il fallait. On est reparti. Fernando. Torres. Torres. Qui continue. Torres. Le centre de Torres. L'arrêt de Samir Handanovic. L'équipe interiste qui est en train de subir un petit peu. Lukaku, décidément, encore une fois taclé. Pas de chance pour lui. Torres. Nicolo Barella. Nicolo Barella. Lautaro Martinez qui est proche de la surface. Ouh là là, l'arrêt magnifique de Vaclik. Torres. Lautaro Martinez. Le ballon magnifique là de Nicolo Barella, Antonio Candreva et encore Nicolo Barella. Finalement, le ballon bloqué par cette défense du FC Séville. L'Inter qui peut continuer. Barella, le petit filet extérieur. Et ça sort. C'est du coup pour le gardien.
Changement annoncé. Nicolo Barella qui cède sa place à donc Stefano Sensi. L'ancien joueur de l'Udinese qui du coup rentre ici. Et Souso qui rentre à la place de Torres côté du FC Séville. Justement, en parlant de Souso, ancien joueur milanais, l'AC Milan, qui va donc jouer ici face à l'Inter, qui connaît d'ailleurs cette compo comme sa poche. Ah, le ballon perdu. Et ça va être donc la touche. La touche pour l'équipe du FC Séville. Jesús Navas. Ah, le ballon bloqué, bien dévié avec Stefano Sensi. C'est reparti pour l'attaque. Ah, le ballon perdu. Donc. Samir Handanović, mauvaise passe de Samir Handanović. Oh, l'arrêt de Samir Handanović à nouveau. Léon Skriniar, le ballon. La talonnade pour Victor Moses. Bien joué ça avec Mateo Brozovic. Stefano Sensi, Stéphane De Vrij. Ah, décidément De Vrij qui s'est loupé là sur sa passe. Ah, Luc De Jong qui est remplacé par Mounir pour l'équipe du FC Séville. Reguillon qui peut relancer le match. Attention, Mounir. L'action, le tir, le poteau extérieur. Ce ballon qui est récupéré par l'équipe de l'Inter. On est reparti avec Brozovic. Mateo Brozovic. Ça va vite avec Stefano Sensi. Stefano Sensi avec Lautaro Martinez. Candreva. Oh, le ballon bloqué et défendu par le FC Séville. C'est du coup de corner pour l'équipe interiste. Et décidément, ça va d'un côté et puis de l'autre, ça va même très très vite. C'est un petit peu l'ADN des deux équipes, le FC Séville qui est très très rapide durant toute cette saison en Liga, qui a même gagné contre le FC Barcelone. Attention, le centre qui a été bloqué. La frappe encore une fois, l'arrêt sublime de Vaclik. Reguillon, on est reparti avec Ever Banega. Ah non, mauvais passe, très mauvais passe. C'est n'empêche récupérer. Ce ballon qui va donc en corner. Ah, il reste quelques minutes, quelques instants. À patienter pour l'instant pour l'Inter hein, qui est en train de gagner. Mais faut pas crier victoire trop vite. Il reste encore deux buts pour le FC Séville. Le retour. Attention, c'est pas fini. Et le ballon qui sort. Ouais, la tête totalement ratée là. Changement annoncé. C'est donc l'équipe de l'Inter qui fait un changement, c'est Gagliardini qui du coup rentre à la place de Christian Eriksen, comme j'ai dit côté interiste. L'équipe lombarde qui pour l'instant est en train de littéralement bombarder. Ah ouais, mauvais centre, mauvais passe. C'est donc récupéré avec Vasquez, le ballon. Peut-être Diego Godin. Ouais, finalement, récupéré avec Reguillon. Intercepté. À nouveau par l'Inter. L'Inter qui continue. Qui retourne vers le but adverse. C'est reparti. Le Octaro Martinez. La machine qui est remise en marche. Victor Moses. Moses qui peut faire le centre. La tête de Gagliardini. Ah, ce ballon perdu avec donc Souso.
Décidément, ça part dans tous les coins. Avec Vasquez. Souzo. L'action. Oh, il y avait un tackle qui aurait pu faire une belle action. L'arrêt de Samir Handanovic. Ça va très très vite avec Brozovic. Brozovic avec Sensi. Ouais, attention, c'est pas fini. Souzo. Souzo, le ballon, le centre. Ah, bien bloqué encore une fois par Samir Handanovic. Le ballon bloqué avec Ever Banega au Campos. Réinterception pour l'équipe de l'Inter. 3 minutes additionnelles avant la proclamation du vainqueur de l'Europa League. Pour l'instant, ça reste l'Inter. Si ça reste comme ça, je dis bien ça reste. Mais 2 buts en moins de 3 minutes. En plus, c'est sur FIFA. Bon, c'est vrai que le temps passe vite sur FIFA. Donc forcément ça peut être assez décisif pour le FC Séville. Attention, FC Séville avec Ocampos, le ballon bien dévié par Milan Skriniar. C'est reparti. L'action qui peut concrétiser un but. Et c'est fini, et c'est fini. L'Inter qui est donc championne de cette UEFA Europa League, de cette coupe. Et donc voilà pour la, je sais pas, 40e fois, l'Inter qui est donc championne de l'Europa League. Un nouveau trophée à mettre dans sa salle de trophées. Et voilà donc aussi. Pour l'entraîneur aussi, Antonio Conte, qui n'a pas beaucoup gagné d'Europa League, qui a surtout gagné des Champions League, avec notamment, enfin, non, même pas, avec la, j'allais dire avec la Juve, mais pas du tout, la Juve n'a pas du tout gagné de Champions League ces 10 dernières années, donc forcément. Bref, on va clôturer cette Europa League avec ce soulevé de trophées, et voilà. L'équipe interiste exceptionnelle tout le long de cette coupe de l'UEFA Europa League, et qui seront donc qualifiés d'office en Champions League. Je vous rappelle, ce sont les règles, bien évidemment, depuis toujours en Europa League. Quand vous êtes champion d'Europa League, vous êtes qualifié d'office pour la Champions League. Donc on a déjà un des qualifiés pour la saison prochaine, ainsi que la Juve qui est championne d'Italie forcément. Et donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé encore une fois cette saison d'Europa League qui s'achève. En tout cas, pas très loin de la reprise du championnat, décidément. Ça va très très vite. À peine avoir fini l'Europa League, ça va déjà recommencer le championnat, en tout cas. Merci d'avoir regardé ce match à mes côtés. On se retrouvera dimanche pour le dernier match en Champions League, la finale donc. Moi, je vous retrouve pour un prochain match, comme d'habitude. Salut à tous.